Rodion Nikolaevitch, c'est bien vous? C'est bien moi. Vous êtes bien le médecin-chef du sanatorium. Je suis bien le médecin-chef du sanatorium. Il n'y a pas de quoi sourire. En effet. Je vous avais fixé rendez-vous à 10h ce matin et si ma montre marche bien, il est 2h de l'après-midi. Mais quelle importance. Je suis là. C'est l'essentiel. Bien sûr. Mais comment justifiez-vous ce besoin de sauter par la fenêtre qui vous prend en pleine nuit? Tout ça n'arriverait pas si l'infirmière de nuit ne fermait pas à clé la porte du pavillon. Ma patience a des limites, je vous préviens, et vous commencez à me taper sur les nerfs. Que vous y croyez ou non, Charleston n'avait pas de secret pour moi. Prouvez-le-moi. Ah, voilà. Quel malheur secret bien pu le frapper pour qu'il en soit réduit, par un jour pareil, à se réfugier tout seul, dans son coin, avec son gâteau et son thé noir. Noir comme la vie. Ma provocante camarade Voline. De quoi avez-vous peur? De plaies? Vous ne savez pas que l'amour embellit les hommes, surtout. Où allez-vous chercher tant de lieux communs? Vous devenez vulgaire. Soigner 10 hommes est plus facile que de traiter une seule malade. Et avec votre femme, vous étiez toujours aussi aimable, aussi beau tantrin. Si nous cassions pas plus. Non, non, vous n'y pensez pas. Mais si, pour une attente à merci, pour ne plus dépendre d'elle. Mais à la merci de quoi? De la vieillesse. Qu'est-ce que mon âge a à voir là-dedans? Comme l'a dit un de ces Français si intelligents, c'est ennuyeux de vieillir. Mais c'est notre seul chance de vivre longtemps. L'amour, pour moi, c'est sacré et secret. Oui. Et je vous en parle comme un homme qui a été marié. Qui n'a jamais aimé d'autres femmes que la sienne. Pourquoi une autre? C'est elle que j'aimais. Je suis bien content de ne pas avoir perdu mon parapluie dans la bataille. Et... je commence à me sentir mieux. Ah. Regardons un peu le monde autour de nous. Oui, regardons. Comme c'est bon de vivre, camarade Oline.